Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la 500 Mini. Cette fois-ci, ce sera pour parler des FPS sur l'Amiga. Alors, les FPS sur Amiga, c'était pas vraiment. On ne peut pas dire que ce soit le top, hein, c'est un ordinateur, un micro-ordinateur, 16 bits. Mais certains tirent quand même leur épingle du jeu. Alors, moi personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est celui-là, c'est Gloom. Gloom. Citadel que j'aime pas mal, que j'apprécie, et Alien. Je vais vous présenter celui-là parce que Citadel, je vous l'avais déjà présenté. Fear aussi, qui est pas trop mal. Qui est pas trop mal. Alors, bon, là j'en ai qui fonctionnent pas. Hein. Testament, j'aurais bien aimé, mais ça ne fonctionne pas du tout. Celui-là, je ne me souviens pas, non, il me semble qu'il fonctionne pas. Ça c'est pareil. Si, il doit fonctionner celui-là. Mais pas top top. Celui-là ne fonctionne pas du tout. Allez, c'est parti. On essaye Gloom. Alors Gloom, je pourrais pas vous dire. Bah si, 95, là du coup, je peux vous le dire. Il est sorti en 1995. Et franchement, je l'ai essayé comme ça, et je me suis laissé prendre à jouer un bon petit moment. Vraiment sympathique. J'essaye de régler. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, c'est parti pour Gloom. Allez, on joue direct. Donc, bah, comme tout FPS, on a une équipe de soldats. Et l'équipe, on la voit jamais, on est souvent tout seul. En gros, à nous de faire tout le boulot. Donc voilà. Comment ça se présente? Donc je sais qu'il y a des ennemis. On va tirer dans le tas. Alors ça fait un peu, je serais d'accord avec ceux qui disent que ça fait un peu bouilli de pixels. Moi j'aurais tendance à dire que quand même, on avait connu Doom sur la PS1, etc. Bon, c'était quand même beaucoup plus propre hein, sur la PS1, mais que celui-là pour un 16 bits, franchement, il s'en sort pas trop mal. Il est quand même assez rapide, hein. On voit bien, on peut tourner. Voilà, c'est quand même assez rapide. Alors, oui, ça fait bouillie de pixels, mais c'est par rapport aux caractéristiques techniques. Hein. Ok, d'accord, c'est par rapport aux caractéristiques techniques hein, de la bécane. Je sais pas si on peut faire beaucoup mieux. Alors je sais que j'ai entendu dire qu'il y avait eu un qu'on avait réussi, que certains avaient réussi à mettre Duke Nukem et Doom dessus. Je n'ai pas réussi à trouver la ROM ou comment télécharger, comment le faire fonctionner là-dessus. J'aurais bien aimé essayer pour voir ce que ça donne. Personnellement, bon. Après voilà, si c'est des ROM ajoutées, modifiées, etc. Qui n'utilisent pas vraiment les capacités, ou plus du coup les capacités de l'appareil original. Hein. Moi, je préfère avoir les jeux qui fonctionnaient sur la bécane que des jeux. Voilà, c'est sympa, mais si c'était impossible de le faire fonctionner sur la bécane d'origine, bah, il n'y a pas grand intérêt. Bah, autant acheter autre chose, quoi. Donc un premier niveau finalement assez rapide. C'est juste pour avoir le goût. Hein, c'est juste pour avoir quelque chose sur le bout de la langue. Et ça va devenir beaucoup plus compliqué. Hein. Alors bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont connu ce jeu. Hein. Du coup, j'ai rien ici. Ah oui, il va falloir que je revienne après ici. C'est vrai. Ouais, la technique du lâche. Ouais. Voilà, aucun risque. On se prend des petits coups, mais c'est moins grave que prévu, quoi. Voilà. J'aime bien les explosions. Par contre, le son est parfait, quoi. Le son est parfait.
Le son est vraiment pas mauvais, hein, mis à part, comme je vous ai dit, voilà, ça pixelise, voilà, c'est pas vraiment, ça mériterait d'être un peu plus fin. Mais franchement, par rapport, je suis épaté par rapport aux capacités techniques, hein, de la bécane. Moi, franchement, ça, je suis épaté là-dessus. Je trouve ça excellent quand même. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose quelque part. Je sens que je vais mourir, je ne sais pas pourquoi. Ouais, la bière qui va surgir, ah, je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait surgir dans mon dos. Alors, fais-moi le malin, hein. Alors, je sais pas ce que ça donne, ça. On a des armes supplémentaires. Dépêche-toi, tire. Voilà. Ah mince, mal mis, mal mis, mal mis. Pour le coup. Il y en a d'autres? Non, ça va être fini. Ouais, c'est pas fini. Ça serait trop simple. Bon, a priori, hein, si. Ah merde! C'est quoi, c'est un biberon ça? Ok, prends ton biberon. Voilà, oh là 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 là. Voilà, les deux là qui étaient cachés ici là. Faisais quoi là? Allez, on va chercher l'autre biberon. Et puis, je pense que derrière nous, c'est la fin de niveau. Alors, vu tout ce qu'il y a eu dans la salle, on... c'est pas possible. Qui c'est qui me tire dessus encore? Eh, s'il te plaît, jamais appris ça. Allez, on avance et on recule. Je m'en doutais. C'est vrai. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. Bon, après, quand on s'en doute un petit peu. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de celui-là, moi je le trouve pas trop mal. Hein. Alors, faut, bien sûr, faut pas comparer ça à un Duke Nukem 3D, etc., ou même à un Doom. Hein. Mais pour. Personnellement, je le trouve vraiment pas trop mal fait. Alors, là je sais pas trop quoi faire. Ok. Non mais vous êtes sérieux les gars? Personne là. Ah ça me redonne de la vie. Ok. Toi t'en as perdu. Ok. Moi je le trouve sympa. Franchement je le trouve sympa. Double boulette. Allez, triple mort. Pour plus de plaisir. Je sais pas qui c'est qui s'amuse à me tirer dessus. Comme un lâche par derrière. C'est toi. Ah. J'ai vu que tu étais quelque part. Non mais sérieux, c'est quoi ce passage? Eh, voilà. Voilà, ça va devenir de plus en plus chaud. Franchement, c'est pas mal. Il est pas mal. Eh ben écoutez, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Si pour vous, vous avez un FPS préféré ou qui serait que vous pouvez me recommander. Personnellement, je ne les connais pas tous. Ouais, n'hésitez pas. Laissez un commentaire. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Allez, à bientôt. Ciao.